Ratissons le quartier par deux. Isabeau, Lafayette et toi, vous remontez à Istrie, par le sud. Galahad et moi, on passe par le nord. Le Français peut accompagner Galahad ? Mademoiselle doute de mes intentions ? Je promets d'être à tout moment l'image même de la chevalerie. J'aimerais être aidé par un équipier plus expérimenté. Je croyais que tu n'avais pas besoin d'être épaulé. Fort bien. Tu vas avec Galahad. Peut-être un jour me permettrez-vous de prouver mes talents. Un jour. Attention, nous entrons en territoire rebelle. Les insurgés verront d'un mauvais œil notre incursion à Whitechapel. Compte tenu de notre découverte à Mayfair, nous devrions viser l'hôpital de Londres. Plutôt étrange que les Lycans y aient trouvé refuge. Pas vrai, monsieur ? Tu penses vraiment que les rebelles collaborent avec les hybrides ? Le grand chancelier en est persuadé. Moi, j'ai des doutes. Mais faites-vous confiance à quiconque ? Toujours tout remettre en question. Cette devise m'a fait traverser les siècles. Soyez prudents, tout le monde. Il peut y avoir du grabuge. Ah, quelle joie ! Une bande de coupe-jarrets, de collabos et de proxénètes. C'était bien différent autrefois. Et salut à tous, c'est Darkmania, on se retrouve pour le chapitre 3 sur The Order 1986. Pardon, excusez-moi. Écoutez, on s'était laissé donc dans l'épisode précédent et on se donne, on est parti, voilà. Allez, on a assez blablacé dans l'épisode précédent, on a assez fait le Google. Donc maintenant on y va et franchement, je suis vraiment toujours aussi bluffé par la beauté de ce jeu. Hop. Les choses ont bien changé, Sébastien. C'est vrai. L'ordre est compris. Attendez, il y a quoi là-haut ? Il y a rien. Toujours fouillé, hein, comme je vous ai dit. Important. On se retrouve à l'hôpital. Restez sur vos gardes. Bien compris. Allez, c'est parti. Nous, on va se taper le petit jeune homme. J'aurais bien aimé me taper plutôt la nana, hein, quand même. Personnellement, elle est un peu plus efficace. Alors, c'est quoi ça ? Les cendres sont encore chaudes. Une pipe. Une pipe. Donc quelqu'un a fumé ici il n'y a pas longtemps. Alors. Mais j'espère que c'est pas délicat parce que j'ai pas envie de me taper encore. J'ai pas envie de me taper délicat pour le moment. De toute façon, je pense qu'on va s'en taper, hein. Obligatoirement. Waouh. Allez, ce petit marché. Ah. Lafayette. Ok, je pense que c'est délicat. Regardez-moi ça. C'est vraiment pas bon. Il se relève pas. Bouge pas. Faut monter ou descendre là, je. On va descendre, hein. Comme par hasard. Ah oui, faut descendre. Ok, alors attendez, on va monter alors. Je vais monter voir ce qu'il y a en haut.
D'accord, il y a deux chemins, en bas ou en haut. C'est ça? Où est la justice dans tout ça? Je vais vous le dire. Oh là là, mais je sais pas où faut aller. Je crois que c'est par là. On va descendre. Je suis désolé, mais il y a deux chemins là. Quand il y a deux chemins, je sais pas trop. On va aller en bas. Tiens, on va aller en bas. Je pense qu'il y a des trucs à récupérer en bas. Bon, je suis pas très rassuré là. Wow. Ah oui, oui. Ah bah tu m'étonnes, je suis pas très rassuré. C'est pas une morgue ça? Oula. Ok. Ouais, de toute façon, ouais, qu'on passait en bas ou qu'en haut, on se retrouve là. Donc, c'est évidemment, c'est par là. Est-ce là l'Angleterre que nous voulons ? La petite cinématique, non ? Ouais. C'est ça ! Mes frères et sœurs, luttez ! Rejoignez notre cause ! À bas, la reine ! À bas, l'Empire ! À bas la reine! À bas l'Empire! À bas la reine! À bas l'Empire! On est repérés. On bouge. Des éléments perturbateurs. Le déshonneur de l'Empire. Moi je dis que c'est l'Empire qui manque d'honneur. Ok, bon, on y va. Assis sur son gros cul, qui s'engraisse à la sueur de votre front. C'est pas votre tueur. Ça va être chaud, je crois qu'on a été repéré par les loups-galous. Elle est morte, mais par ta force. Oh, oh, oh. Bravo, monsieur. Vous ne voulez pas salir tes mains d'aristocrate? Mort de rire. Oh, je voulais pas salir tes mains d'aristocrate. Ça va. Il n'y a rien à craindre. Comment j'aurais pu savoir que c'était l'éventreur? C'était un gars ordinaire. Il a encore tué la nuit dernière. Je savais pas. Laissez-la, monsieur. Je savais pas. Ne vous en faites pas, vous êtes en sécurité. Laissez-la, monsieur. Mais comment il parle à son commandant, lui? Laissez-la, monsieur. Si je veux, non, mais attends. Non. Avant d'ouvrir la porte, je fouille un peu. Voilà. Alors, le journal. Attaque à... Ok. Ouais, faut ouvrir la porte de toute façon. La feignasse, il est pas capable d'ouvrir une porte. Alors, tout au moment enfoncé, faites... Ah oui, d'accord. Oh là là, c'est ardu ça. Alors attends. C'est quoi ça, ardu, c'est ardu ça. Alors, doucement pivoter jusqu'à que la ligne circule soit en bonne hauteur. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est cette connerie là? Maintenez L1. Oui. Alors, faites doucement pivoter jusqu'à que la ligne
À bonne hauteur. Ça veut dire quoi, à bonne hauteur? Qu'est-ce que c'est de la merde ce truc. Voilà. Ah bah putain. Désolé, hein, c'était un peu ardu. Mais bon, pour le moment, on n'a pas grand chose à faire, donc on peut se permettre de prendre notre temps. Il y a beaucoup de cinématiques. Les armes sont interdites dans l'établissement. Vous voulez rester? Laissez-les là. Bien sûr, monsieur. Pour tout vous dire, nous cherchions justement le vestiaire. Donnez ça. Et amusez-vous bien. Calmez-vous, monsieur. Une rapide reconnaissance du périmètre semble impérative. Ok, de toute façon, on n'a pas trop besoin des armes à feu puisqu'on a déjà le couteau. Waouh, charmante demoiselle. Zelda, lol, un petit... Ah, peut-être un petit clin d'œil à Zelda. Ça m'étonnerait que Sony se tape un petit clin d'œil à Nintendo, mais bon... Oh, charmante. Oh, charmante. Attention, balls, balls, balls. Ouh, c'est charmant. On peut... Ah, on peut zoomer en plus. Oh. Oui, ça, c'est un petit côté... Ça, c'est pour les petits pervers. Alors, attendez. Ah, on peut jouer? Lol. Les corneilles de Londres. Elles commencent à s'organiser. Ouais, si tu veux. Ok, alors. Waouh. Une autre fois. Ça, par exemple, tu verras des choses que t'as jamais vues. Je n'en doute pas. Mais non, on jette pas les femmes comme ça, mais il est fou, lui. Bon, alors, oh. Waouh. C'est dommage, je sais pas écrire en français, on aurait pu essayer de lire. Alors, je suppose qu'il faut aller voir lui. Bonjour. Lafayette est ravi de partager ses faveurs. Oh, mais c'est con. Marquis, pas le temps de s'amuser. Nous devons trouver une issue, vite. J'ai ce qu'il nous faut, monsieur. Si l'une de vous deux accepte de fouiller ma poche... Donne-moi ça. Cela suffit-il, monsieur? Ça oui, amplement. Allons à l'étage, je vous prie. Les galipettes... Non, je pense pas. Je pense que c'est juste pour se planquer. T'es prêt, mon chou? Crois-moi, tu le regretteras pas. Tu te vois, on est souvent ici. Allez, c'est parti. Par ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous trompez de chambre. Où est parti le français? Il est là. Avec son ami. Sortez d'ici! Oh! Bonjour! Toutes mes excuses, madame. Trouve
trouver un moyen d'aller à l'hôpital, c'est ça? Alors, monsieur, qu'allons-nous faire? Ouais. Bon, on va passer par là. Hein. Mais avant. Non, il n'y a rien à fouiller. Ok. Je sais pas pourquoi ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Ah. Attendez, j'ai vu quelque chose. Non ? Olé, ok. Ok, ok, c'est par là, alors. C'est par là, oui. Oui. D'accord. Il y a des intrus. Aux armes, en avant. Lafayette. Chut. Oh, regardez, c'est magnifique. Waouh. Ouvre l'œil, Marquis. Je dois trouver un moyen de passer. Magnifique. Ah, ça, je veux bien. On va écouter. Hop. Non, c'est pas ça. Archive. Fils et filles de Grande-Bretagne, réjouissez-vous à présent, car nous sommes entrés dans une nouvelle ère de prospérité. Notre glorieux empire mène aujourd'hui cette course inexorable vers le progrès. Car pendant que l'armée et les chevaliers royaux de Sa Majesté protègent notre mère patrie et contiennent la menace des hybrides, la United India Company sillonne le monde en brandissant avec fierté notre cher Union Jack. Alors que vous et vos enfants jouissez des bienfaits d'une dure journée de labeur, nos usines continuent de produire des biens qui font honneur à notre pays. Chaque fois que le jour se lève sur notre magnifique empire, notre avenir n'en est que plus radieux. Un avenir auquel vous aussi vous pouvez participer. Chaque jour qui passe, de simples citoyens agissent et saisissent de nouvelles opportunités qui leur réservent richesses et perspectives d'avenir. Cela pourrait être vous. Ainsi, je vous le demande, enfants de Grande-Bretagne, faites-vous le nécessaire. Devenez un atout pour l'Angleterre. Faites honneur à notre empire. Message du conservateur, octobre 1886. Ouais, ok. Eh ben, on est parti. Ouais, ah d'accord, c'est pas par là. Ah si. Si, si, c'était là. Oula, qu'est-ce qu'on fait là? Pas ce qu'on fait là. Je pense qu'il faut monter là-dessus, non? Oh, ok, faut passer par là. Ah ouais. Ah oui, et le truc nous gênait. Ouais, ouais, évidemment. Ça pue la baston, hein, dans très peu de temps, je sens. Voilà, tiens. Ouais, un long pour les chevaliers, deux cours pour les flics. Les chevaliers. Et surtout, c'est pas l'inverse, tu sais. Un long pour les flics, deux cours pour les chevaliers. Qu'est-ce que ça change? Ouvre l'œil dans les deux cas. Si c'est des chevaliers, il faut du renfort.
Évidemment, si on voit un de ceux-là traîner par ici, on leur signalera. Et pareil pour les flics. Non, si... Rebelle la terre ! Raclure ! C'est bon ! Les toits ne sont peut-être pas la meilleure option, monsieur. Tu as sans doute raison. Ouais, bah tu veux que je fasse quoi ? Je vais pas attendre, moi, mon gars. Ah, je vais pas attendre. Mec, ils t'attendent avec le flingue. Y'a rien d'autre ici ? C'est quoi ce que j'ai ? Oh, joli. Je vais reprendre le flingue parce que il est gérant ce flingue. Alors, hop. Oh, c'était peut-être pas une solution, mais bon. Oh. Oh. Oh, oui. Ouais, je préfère la batteuse, moi. Ah, ouais. Ouais, je préfère la batteuse. Allez, on est parti, c'est tout ce qu'il y a. Qu'en fait, je dois prendre soit le fusil, soit la batteuse. On va prendre la batteuse. Tant qu'à faire, c'est la guerre. Ouais. Ah. Je dois laisser, je me laissais tomber. Alors. Olé. Trop facile. Oula, y a du meurtre là. Restons vigilants. Pas question de recréer de l'agitation. Oh putain. Dieu n'a pas sauvé cette reine là. Vite. Ouais. Ah la vache, ça c'est beau. Baisse-toi. On doit neutraliser ce sniper. Absolument, monsieur. Merde. Genre, voilà, y'a plus de sniper. Hein. Il faut que je recharge. L1, pourquoi faire? Ah oui. Oh là! Oula la vache! Merde, je peux pas bouger, monsieur Gala! Oh la vache! Oh! Grenade! C'est la grenade qui explose pas, quoi. Alors, faut aller où? Ah. Allons, culé! Culé sniper, attends, je vais te botter le cul. Oh! Attention, grenade! D'accord, ça va, ça envoie. Même pas. Cible anéantie! Ah l'enculé, putain il va me tuer lui. Sniper à terre. Ah ouf. Dites-moi, il sert à rien lui, à côté de moi là. Pas être méchant mais il sert à pas à grand chose. Lafayette, dans la rue. Oui. Attends, y a rien d'autre là. Attends, je vais monter là-haut parce que je vais monter parce que voilà. Oui.
Waouh. Je peux plus bouger. Je peux te baisser, monsieur. Je vais vous couvrir. Foiré! Il faut continuer! Oh. Je pense que des renforts rebelles sont en route. La merde, c'est la merde! Hey, j'ai besoin d'aide. Ils ont bloqué le passage! Par l'intérieur du bâtiment! Oh. Mais sert à quelque chose, mon vieux! Bouge! Fais quelque chose, monte le chemin! Ah, il sert à rien le mec. Alors attends, à l'intérieur du bâtiment. Ici, mais ici je viens d'y aller là. Non, c'est pas ici. C'est par où qu'il faut aller là? What? Bâtiment, à l'intérieur du bâtiment. Ah, y'a quoi là? Munition. Ouais, on va où là? Faut peut-être monter quelque part. Ah non, bah non, c'est là. Ouvre les yeux, petit. Désolé, hein, j'ai. Oh là. C'est bon? D'autres rebelles dans la cour. Ah oui, attends. Recharge. Je lance une grenade. La grenade qui sert à rien, vous savez. Voilà, ça c'est bon ça. Rebelle la terre. Oh là, faut se calmer là. Attendez. Je recharge. Oh l'enculé. Il sert à rien l'autre là. Ça sert à rien de lui dire que tu te fais canarder, il sert à rien. Allez. Cible anéantie. Ah mais c'est un pompe en fait le truc, d'accord. Je recharge. Oh putain! Monsieur, je vais les contenir au niveau du sol. Entendu, marquis. Ah, ça c'est un fusil, ça. Rebelle la terre!
Oh là là, c'est un peu laborieux, mais bon. Un peu trop de monde à mon goût là. Je crois bien que les renforts rebelles sont épuisés, monsieur. On envoie le. Ah, merde, c'est mes oh, oh, oh. Passe où, faut que je passe où là. Oh là là. Je vais pas te louper, mon bordel. C'est une blague, qu'est-ce qu'il fait là lui? C'est pas vrai. Putain, mais change d'arme. Évitons les rues tout en restant mobile. Oui. Wow, putain. Vous me donnez un coup de main avec ce wagon? J'ai failli crever quoi. Ah ouais, attends, je recharge mes armes là parce que là c'est un peu le gros bordel là. Oh là là, la vache. Vous me donnez un coup de main avec ce wagon ? Ouais ouais, 2 minutes. Prendre ça, c'est mieux. Hein. Ok. Oh la vache. J'ai failli crever, quoi. Ok, wow. Ah, c'était dur, hein. C'était méchant là. C'était violent, c'était violent. Ok. C'est pas par là. C'est pas par là, donc c'est par là-haut. Hop. Hop. Perceval. Perceval, tu m'entends? C'est inutile, monsieur. Les bâtiments bloquent le signal. Les joies du progrès. Passe ta longue vue. J'aperçois la cible. L'hôpital est à l'ouest. Voyez-vous nos camarades? Pas encore. On dirait que les rails se sont effondrés ici. Là, c'est sûrement eux. On s'invite à la soirée? Appelons des amis, d'accord? Commandement ici Galahad. Que quiconque se trouvant près de Whitechapel me réponde.
Commandement, ici Galahad. Allez, monsieur. M'entendez-vous ? Nous sommes en infraction. Le grand chancelier sera furieux. Lafayette n'apprécie pas les cours martiales. On s'en inquiétera plus tard. Messire Galahad, ici Sentinelle 5. Nous sommes à 3 lieues au nord-est de Whitechapel. Quelles sont vos directives ? Sentinelle 5, ici Galahad. Support aérien en attente requis. Bien reçu. Nous émettons des signaux bleus et rouges à 1 seconde d'intervalle. Demandons confirmation visuelle pour modification de destination. Envoyer un message. Hein. Alors, envoyer un message ci-dessous en mode morse. Wow, comment tu le fasses? Appuyez sur la touche pavé tactile. Monsieur, pour nous devons donner la position. Hein, maintenez ta... Ah. Sir Galahad, ici Sentinelle 5. Confirmation visuelle de position. Modification de 2-2-4 degrés. Survol d'attente au-dessus de Whitechapel dans 8 minutes. Reçu, Sentinelle 5. J'attendrai les autres sur place. Allons-y. Ah, allons-y. Tes bas-fonds parisiens sentent sûrement meilleur. Quel que soit le lieu, la merde sent toujours la merde. Après vous. Pourquoi il court pas lui? Olé. Oh putain, Lafayette. Ne vous en faites pas, monsieur. Je vais bien. Ah! Regardez ça, c'est qui ça? Ah, les top des planètes. Lol. Ah, ce petit petit clin d'œil comme ça, ça fait plaisir. Ne vaudrait-il pas mieux que nous chassions des hybrides ? Patience, Marquis. Encore ce mot, patience. Toujours patience. Bon, s'il a pris son arme, c'est que ça va chier. Laisse tomber! Vas-y! Je m'occupe de nous couvrir! Oui, chef! Je recharge! Allez, on y va! Vite! Le chef rebelle est à terre! On y va. Bon, c'est la merde. On va faire ça. Il faut que je recharge. Bon, c'est la merde. Allez. Officier, vite, baissez-vous. Oui, chef. À l'aide. Je suis cerné. Mon ami, cet officier a besoin de notre aide. Ah, bah voilà. Ah.
Tu t'es arrêté prendre une bière ? Il y a eu de la résistance. Les rebelles sont mieux armés que prévu. C'est Mark. Tu les connais ? C'est l'une des nôtres. C'était où ? Suis-moi. Dieu, il y a assez d'armes ici pour une petite armée. Une partie de ce matériel a été conçue pour l'ordre. Ygraine a même trouvé un électrofusil. J'ignorais qu'on avait perdu une partie de l'arsenal. Ce n'est pas le cas. Tiens, aide-moi avec celle-là. Voyons ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est ? Essex M86, fusil à termite. Ils ont été mis en service sur le terrain il y a quelques semaines. Celui-là n'a pas encore été affecté. Comment les rebelles ont-ils mis la main dessus ? Je compte bien le découvrir, crois-moi. Excusez-moi, messire, on vous appelle en haut. À nous de jouer. Je crois que la demoiselle a besoin de nos services. Ygraine, on est en position. Allez-y. Vous en avez mis du temps. Alors. Lafayette, thermique. Chevalier, feu à volonté. La bien compris. Pas. Il faut y aller. Je recharge. Là. Oh oh, c'est génial. Ouais, allez, attention au toit. Oh oh, c'était magnifique. Ouais, attends. Lol. Par les bras. Doucement, monsieur. Je le tiens. On les a piégés. Prêt. Bougeons-le. On est trop exposés ici. Monsieur, allez, plus que quelques mètres. C'est bon. Allons-y. On est bien sorti. Galahad, fais-nous sortir d'ici.
J'y travaille. Comment va-t-il? Le poumon est perforé. Bon, ça va faire combien de temps? Ah, le chapitre est long, hein. Mais bon, c'est pas grave. Tâchez de rester calme. Ça va aller. Les rebelles se regroupent. Et bah attends. Je crois que j'ai trouvé une sortie. Écartez-vous tous. Mise à feu. Peut-il bouger? C'est trop tard, monsieur. Garde tes prières, Lafayette. Aucun dieu ne peut l'aider. Allez, on y va. On est à quelques centaines de mètres. Et ces saloperies de rebelles seront là à nous attendre. Ah, je suis blessé là. Empêchez-les d'aller plus loin. Cible rapide. Attention, Marquis. Dépêchons-nous, on perd un temps précieux. Ah bah ouais, mais attends. Ah merde. Nom de Dieu, qui a construit cette ville? Il n'y a que des cul-de-sac. Génial le raccourci, parfait. Et maintenant? Lafayette, la longue vue. Il se cache derrière ces colonnes. Il faut qu'on avance, vite. Les rails ont un point faible. Si je peux arriver là-haut, je pourrais tout démolir. Ygraine, Lafayette, couvrez bien nos arrières. Perceval avec moi. Génial. Nous devons nous débarrasser de leur thermite. Rebelle à terre. Prêt. Oh. Bah alors. Kalan, utilise la thermite pour démolir le pont. Allez, on va démolir le pont. Attention en bas. Je le sens mal, hein.
Ouais, mais tu devrais descendre. Ah non, c'est bon. Ok, je sens qu'on a ouvert un passage. Voilà. Olé. Oh, c'est beau ça. Allez, on avance. Nous progressons vers la cible. Trouve un moyen de nous rejoindre. Compris. Ouais, attends. Ok. Évidemment, là, je me retrouve tout seul. Et ça pue, ça pue, ça pue. Ça sue, ça pue. Hé, hey, où est votre commandant? Par là. Allez. Sergent. Chef, que font les chevaliers de la reine? Pourquoi n'avoir pas sécurisé le périmètre? On a entendu des choses. Mieux vaut reculer. À bas la sûreté. Vous entendez? Où sont les autres rebelles? Exactement. Un silence de mort. Quelque chose cloche. Galahad, est-ce que... Je les ai vus. Vu quoi? Des hybrides. Ils convergent depuis l'hôpital. Il faut les démanteler. Et vite. Appelle-les. Sentinelle 5, ici Galahad. Vous m'entendez? Messire Galahad, ici Sentinelle 5. En attente. Sentinelle 5, je demande une charge sonar immédiate. Déploiement de la charge Carlton confirmé. Demande balise visuelle pour verrouiller la cible. Bon sang, qui a un émetteur? Tenez, monsieur. Mon communicateur. Le garçon est utile, finalement. Bon. Balise verrouillée. Point d'ancrage largé. Déploiement du Galton dans 5, 4, 3, 2... Attention, appareil éteint. C'est le moment. Allez, trouvez-moi d'où proviennent ces saloperies. Je vous protège. Monsieur, il vous faut ça. Attention à vous. Toujours, Marquis. Espérons qu'elle marche. Bah c'est bien long ce chapitre. C'est pas grave. Hein. Alors... C'est une fille à ton instinct légendaire, qu'est-ce que t'en dis? Ah bah voilà. Ah bah on va s'arrêter là. Voilà. Écoutez, bah j'espère que ce chapitre 3 vous aura plu. Il a duré 54 minutes. Wouhou ! C'était long. C'était long, bah voilà, c'était donc le chapitre. Le chapitre 3. Nous allons faire la suite donc dans le chapitre 4, dans le prochain épisode. Merci beaucoup de m'avoir suivi et rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, salut à tous.